essayer avec ce soir Annie Lemoine, Maureen Dor, Jean-Luc Lemoine, Sophie Garel, Jean-François Deret et... Ah tiens, bah, il s'est pas mis là. On l'a dégagé. Et Stéphane Pocra. C'est là votre place. Ah non, non, moi je... Ah non, mais moi je refuse de faire l'émission entre Maureen et Sophie. Elles sont déchaînées, ça a commencé dans les coulisses. Et alors, plains-toi, il y en a qui réclameraient, n'est-ce pas? Ah non, 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 non. C'est bizarre, les vaches sont fleuries cette année. Je vous en prie. Ah non, mais c'est terrible, c'est terrible. Non, mais... Pour la traite, on t'appellera. Hein. Stéphane, faut rejoindre vos petites camarades. Non, mais je veux bien, mais si on promet de ne pas me tripoter. Oui. Allez, non, reste là, pas... reste là, mon bonhomme, reste là. Bon, j'ai honte là, mais... Alors Annie, on a fait une promesse à nos téléspectateurs juste avant la pub, il faut les montrer ces collants. Oh, les guibolles, les guibolles, les guibolles, les guibolles, les guibolles, les guibolles. Arrêtez. Mon mari. Oh, elle ne mangera pas ces collants, elle ne les a pas lavés. C'est il met un côté tigresse chez vous, la caméra oui, est en oui, train de... Oui, il était caché, mais maintenant je l'assume, j'ai un côté tigresse. Montre tes collants, sinon je vais être obligé de montrer mes chaussettes, alors. Vous avez un truc sous le nez. Oui, c'est des paillettes, mademoiselle, en coulisses, mais des paillettes, elle en peut plus. Mais vous avez été chercher ça. Mais assume, Annie, que tu me des paillettes et que tu veux les garder. Mais je ne mets pas des paillettes, idiote. Non, on m'a traité d'idiote. Mais oui, mais non, mais tu sais bien, c'est... Mais non, mais Jean-Luc. En fait, elle a des paillettes, c'est parce qu'elle embrassait Gérard Miller. Mais non, c'est toi. Quand il sort du plateau, il se met des paillettes. Il faut dire la vérité. Parce qu'on a fait une répétition pour toi, mon cher ami, et il y avait des paillettes sur la robe. Mais si on le dit maintenant, ça va dévoiler la surprise. Sur la robe, tu appelles ça une robe? Il y a 2 cm d'épaisseur, c'est tout. Jean-Luc, aussi, t'as des paillettes? Ah non, c'est des pellicules. Ça, vous risquez pas d'en avoir, tu vois. Quant à, alors, Maureen, vous êtes très austère ce soir. Hein. Très médiéval. Très médiéval, voilà, c'est le mot. Pourquoi? C'est le velours. Mais ça, moi, vous va bien, ça fait dame. Ça me fait dame. Ça va, elle fait vache, moi je fais dame. L'autre, elle fait tigresse. Eh ouais, tu choisis. Non, ça vous va bien, je vous trouve très bien aussi, petite Maureen, franchement. Merci beaucoup. Vous savez que vous êtes un fantasme pour beaucoup de téléspectateurs. J'ai rencontré, tenez, je peux le dire, un journaliste hier soir qui m'a interrogé pour le magazine Urban pour faire un portrait. Il s'appelle Nicolas Rey, ce journaliste. Et il m'a dit qu'il était fou excité dès qu'il voyait à la télévision. Pourquoi il veut pas faire un portrait de moi alors? Ah bah il va le faire. Mais il veut pas faire le portrait, il veut faire le reste. Ah bah alors, un ticket comme ça. Tu sais que je suis laine ou pas? Ah non, je pensais pas, j'imaginais pas que vous étiez à ce point un fantasme pour... Non plus. Bon, allez, il est temps de passer à la revue presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence par la Côte d'Ivoire, avec ce dessin de Rançon dans Le Parisien. On voit M. De Villepin qui dit au président Chirac « Il va falloir envoyer des troupes supplémentaires en Côte d'Ivoire pour effectuer l'évacuation de nos troupes en Côte d'Ivoire. » Et oui, on en est là. La loi Sarkozy a été votée cette semaine et donc le racolage est désormais interdit sur nos trottoirs. D'où ce dessin de Kerleroux. On voit une prostituée qui dit « Je racole pas, je fais envie ». Dans la loi sur la sécurité votée à l'Assemblée, il y a donc des mesures contre la prostitution, contre l'hooliganisme et aussi contre l'offense au drapeau national. Ce qui va donner évidemment ce genre de scène signé Pétillon dans le commissariat. Donc, dit le flic, vous avez été surpris, monsieur, près du Parc des Princes, en état d'ébriété, muni d'un drapeau français en compagnie d'une prostituée. C'est la totale. Non, franchement... Oui, mais ce qui va être puni aussi, c'est le stationnement dans les halls d'immeubles. Exact. Et alors, que se passe-t-il si les jeunes stationnent dans les halls d'immeubles en chantant la Marseillaise? Alors, ils vont être punis pour stationner, mais ils vont être récompensés pour chanter la Marseillaise. Vous en voyez beaucoup, vous, des jeunes qui chantent la Marseillaise dans les halls d'immeubles? Non, mais... C'est juste une question, hein. La guerre prévue en Irak a inspiré notre illustrateur Wayne, qui nous montre un George Bush prévenant les Européens. Et on voit Bush qui dit à Aznar et Chirac « Vous n'aurez pas le pétrole qu'on va voler en Irak. On s'en fout, on en a plein l'Atlantique du pétrole. » La Côte basque, hélas.
J'y vais ce week-end, hein, je vérifierai, mais la côte basque est soi-disant souillée par des galettes de pétrole, ce qui fait oser ce dessin à Alfred Touron, regardez. Fais gaffe, t'en as une sur la tête. Non, ça c'est mon béret du con. Christine Malèvre, la fameuse infirmière euthanasiante, était en procès cette semaine. Cabu nous la représente à la barre du tribunal. Et on la voit qui dit « Quand j'étais petite, j'ai voulu devenir infirmière. Mais s'il y avait eu Starac et Déby, j'aurais fait chanteuse. » C'est vrai que ça a changé quand on était gamin. Je suis sûr que les gamins d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes envies que nous à l'époque. Bah, de faire vedette, hein, c'est sûr. Hein, oui, tout le monde en a. Il y avait infirmière, les garçons, c'était pompiers. Coiffeuse ou infirmière, c'était nous, de mon temps. Ah oui, non, ouais. C'était au siècle dernier. Bah oui, on avait deux possibilités, nous. Et toi, tu voulais faire quoi? Moi, je voulais être président de la République. Oui. Moi, je voulais être avocate pour les prostituées. Ah oui? Ah, moi, je voulais me taper des prostituées. Télévision, maintenant, avec ce dessin de Charb dans Charlie Hebdo et la nouvelle émission télé-réalité d'M6. Je passe sur M6 à J'ai décidé de maigrir. Il y a un copain qui dit quand tu passeras à J'ai décidé d'être moins con, je te regarde. Et on termine par un dessin de Philippe Geluck qui a décidé de caricaturer pour nous Donald Trump. C'est dans VSD. Notre invité qui va nous rejoindre sur ce plateau n'est pas un comédien qui chôme, puisque le 19 février, il sera à l'affiche d'un nouveau film de Claude Chabrol, La Fleur du Mal, aux côtés de Nathalie Baye et Benoît Magimel. Mais depuis mercredi, il est aussi et surtout au théâtre Rive Gauche, à Paris, dans la pièce de Lee Blessing, La Guerre des Roses. On connaissait peut-être déjà le film, mais maintenant, c'est la pièce qu'on va voir à Paris, avec évidemment Bernard Lecoq, mais aussi Elisabeth Bourgine. On peut le dire, Bernard Lecoq peut être fier, et pour tester ensemble La Guerre des Roses et La Fleur du Mal, bientôt sur vos écrans, accueillons celui qui a joué, vous le savez, les papas poules, dans Une Famille Formidable, Bernard Lecoq. C'est vrai qu'il y a deux actualités pour vous. Bon, c'est pas tout de suite le 19 février, mais il y aura ce film de Claude Chabrol. Oui, oui, ça, c'est une belle aventure. La aussi. Fleur du Mal, oui. Tournée à Bordeaux, je crois. Oui, absolument, oui, avec des beaux acteurs, hein. Nathalie Baye, Suzanne Flon, Benoît Magimel, Mélanie Doutet, Thomas Chabrol, enfin voilà, une brochette. Et Nathalie Baye est votre épouse dans ce film, je crois. Absolument. J'ai cette chance. Mais la vraie actualité pour l'instant, c'est théâtre, ouais. Le théâtre. Ouais. Et il faut résumer peut-être l'histoire, parce que pour ceux qui n'auraient pas vu le film, quand même... Voilà. C'est quand même un peu poilant, quoi. Enfin, c'est un couple, 21 ans après leur mariage, vient fêter un peu les 21 ans donc, de leur noce dans un hôtel. Ils se retrouvent là, ils ont envie d'être tout à fait bien. En tout cas, le type a envie d'être tout à fait bien avec son épouse. Elle semble un peu se défiler devant ses avances et finit par lui annoncer qu'elle a envie de divorcer. Voilà le point de départ. Et la grande difficulté, c'est que ces deux personnes qui sont des grands communicateurs, je ne sais pas comment on dit, travaillent dans la pub, travaillent dans des choses comme ça, n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à parler, n'arrivent pas à exprimer leurs émotions avec des mots. Ce qui va les amener, évidemment, à une confrontation un peu musclée. Voilà. La guerre des deux roses au théâtre Rive Gauche. Hein, c'est quand même assez rigolo. Et Maureen est revenue du théâtre en me disant, alors il est vraiment un super comédien. C'est un grand monsieur. Et je trouve qu'en plus, au théâtre, il prend une dimension qu'il n'avait même... Vous avez un petit écran, vous aussi, à la télé, il faut bien dire. Non, Bernard Lecoq, il est formidable, quoi. C'est vraiment... parce qu'il est attachant, et puis à la fois, il peut être dur, et puis... Mais lui est formidable, Elisabeth Bourgine aussi, mais la pièce aussi, c'est génial. Mais je le conseille, courez-y. Je donne la parole à Annie Lemoine, qui l'a vu aussi. Ouais. Annie. Il y avait un couple à côté de moi, ils ont passé leur temps, c'était là. Hein. Alors, ils s'embrassaient et je pense qu'ils devaient lui dire t'inquiète pas, chérie. T'inquiète pas, chérie, ça n'arrivera jamais. Il l'a rassuré, mais en fait, il y avait. Parce que c'est glaçant, évidemment. C'est le type, il lui offre une bague, il dit allez, c'était merveilleux ce qu'on a vécu, on va continuer. Elle lui dit non, je veux te quitter. Elle lui dit juste à ce moment-là, je veux divorcer. Et d'ailleurs. La vie est plus vaste que ce que ce type lui propose, qui est un monde de façade, de vie sociale, de fric et de choses de genre. Elle a le sentiment réellement que. Ça doit pouvoir être un tout petit peu plus subtil. Exactement. Moi, je vous dis que vous va y avoir un drame un jour sur scène. Hein. Ah, vous croyez qu'on va se faire mal? À mon avis, un jour. À vous, c'est violent physiquement?
Il va y avoir un point qui va vraiment partir. La guerre des deux roses au théâtre Rive Gauche. Allez-y vite, on ne sait jamais. Non, non, merci de cet encouragement, mon cher. Alors, vous avez raison, absolument. Je ne parle pas pour le public. Je voulais dire, non, loin de moi cette idée. J'imaginais que ça se finisse mal entre vous, quoi. Je ne crois pas que ça puisse arriver. Et vous savez, c'est une bonne nature, Elisabeth Borgé. Imaginez que vous soyez remplacé par Nils Archtroup dans les mois qui viennent. Ah, on ne sait pas les choses qu'il fait. Sophie Garay, vous connaissiez Bernard Lecoq? Oui, je le connais. Je trouve que c'est un homme qui fait partie de notre quotidien. On le voit à la télé, au cinéma. Il a toujours... Il a une grosse carrière télé. Hein. Et au cinéma aussi. Et en plus, je trouve qu'il vieillit bien. Il fait partie de cette race d'hommes. On a envie de passer 30 ans avec lui, quoi. Je veux dire, c'est vrai. Il se bonifie avec le temps. Et je vais aller au théâtre simplement pour être au milieu de cet homme et cette femme qui se battent. Jean-Luc Lemoine. Mais j'aime beaucoup Bernard Lecoq depuis que je suis gamin. Je l'avais vu dans un film qui s'appelait Le Concierge. Non mais c'est vrai, Le Concierge. Ah oui. Et j'avais adoré ce film-là. Je vous avais découvert là et après je vous ai vu dans Pause Café. Donc un concierge qui finit avec une conseillère d'orientation, ça peut pas être un mauvais mec. Donc non, c'est un comédien que j'aime beaucoup. Mais votre maman était concierge. Absolument. Alors ça, c'était tout à fait rigolo parce que quand j'étais évidemment gamin, je me disais il faut pas trop qu'on sache que maman était concierge et tout ça, comme si c'était, vous savez, on était marqué d'un sceau. Et puis l'ironie du sort. Quelques années après, on m'a proposé ce film, Le Concierge, qui racontait l'histoire d'un type qui faisait des études brillantes et qui prenait une loge de concierge et escroquait tout l'immeuble. C'était ça l'histoire. Mais pendant des années, finalement. Quand on me connaissait, quand les gens me reconnaissaient là-dessus. Et ils disaient « Ah, le concierge ah, !» C'est une belle histoire. Et vous-même, vous avez failli être animateur de télévision. Oui, mais ça, j'ai mieux à faire d'arrêter. C'était il y a 20 ans. Très, très difficile. Où on a fait ça avec Jean-Claude Dauphin. On avait présenté une émission. J'ai lu vos déclarations. Je suis très flatté. On va chercher des compliments. J'admire l'aisance d'un ruquier. Ça fait plaisir. Voilà. J'ai mesuré la difficulté du métier. Nous avons essayé. On a tout de suite été balayé. Oui. Écoutez, mais à juste titre. Mon cher Bernard Lecoq, nous allons vous donner une deuxième chance. Oh, nous allons vous demander d'encourager Monsieur Lecoq, puisque nous allons lui confier la veste d'un présentateur télé. Et nous allons vous confier les fiches d'un animateur télé. D'accord. Et vous allez animer un jeu télé. Ah bah des dents. Mesdames et messieurs, Bernard Lecoq. Bonjour. Alors, quel est le principe? Voilà, on va faire une entrée. Hein. Je n'ai qu'à lire ce qui est écrit. Exactement. Vous pouvez improviser. J'ai pas le don, hein, il faut le savoir. Mais vous avez le prompteur, si vous voulez, aussi. Ah, hein. C'est pas bête. Mais je suis myope et bon, mes lunettes sont... Mesdames et messieurs, le jeu bête. Bonsoir à tous. Et bienvenue ce soir pour une nouvelle session de la question bête. Alors, je rappelle le concept de l'émission. Un invité, une question bête, une réponse. C'est parti. Jingle. J'ai compris. Alors, Jean-Luc Lemoine, c'est une question bête pour Jean-Luc Lemoine. Vous vous êtes marié récemment avec votre femme Annie, ici présente. Bonsoir, Annie Lemoine. Bonsoir. Ma question, Jean-Luc Lemoine, est la suivante. Jean-Luc Lemoine, que pensez-vous du mariage des prêtres? C'est drôle, vous voyez, c'est drôle ça. Ah oui, c'est vraiment bien. Ouais. Je suis plutôt pour, vraiment. Ah, bah très bien, voilà, il faut que tout le monde ait un peu une vie. Hein. Alors, ensuite, nous allons passer à la question bête pour Stéphane Pocrin. C'est une question bête de sport, vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors, en sport, sur un terrain, combien y a-t-il de joueurs? Eh bien, autant qu'il en faut pour se renvoyer la balle. Ah! Bonne réponse! Donc, ça, c'est une très très bonne réponse. Bravo! Je demande de l'applaudir bien fort. Eh bien, alors voilà, je crois que nous avons appris pas mal de choses sur nos invités. Mais alors, malheureusement, l'émission touche déjà à sa fin. Et oui, ne pleurez pas. Alors, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle session de la question bête! Merci beaucoup, bravo! La guerre des roses au théâtre Rive Gauche avec Bernard Lecoq, courez-y. Merci. Merci infiniment, bon courage à tous. Autre sujet. Après les cafés philo, les cafés tarot font leur apparition un peu partout à Paris. Le principe est tout simple. Vous entrez dans le café, vous commandez votre boisson et vous pouvez aussi vous faire lire votre avenir dans un jeu de tarot, ce par des cartomanciennes présentes. On compte 20 000 voyants à Paris. Mais attention, ne vous faites pas avoir, ils ne sont pas tous devins, sauf peut-être René du Café du Coin, qui vous répète souvent « Toi, si tu continues à boire, tu vas être bourré ». Oui, celui-là, il a raison. On va accueillir sur ce plateau
Quelqu'un qui, justement, n'exerce pas, elle, dans les cafés, mais c'est pareil, c'est très à la mode aussi. Elle est voyante itinérante. On va accueillir Marie-Laure Stott. Devient voyante itinérante, parce que c'est vrai que l'habitude, les voyantes, les tarologues ont un petit cabinet, un petit chez-soi, et ils reçoivent leurs clients comme ça à domicile, mais rarement ils vont dans les restaurants. Comment c'est arrivé pour vous? Alors moi, ça arrivait par hasard, parce qu'effectivement, j'ai su un jour que j'allais être voyante et que je devais être voyante, et je ne savais pas du tout comment parvenir à ces fins. Et en fait, j'étais quand même aidée un soir. Alors, c'était le soir d'Halloween. Et vous l'avez fait sur place? En fait, elle m'a dit, écoute, avec le culot que tu as, rentre dans ce bar. Si c'est vraiment ce que tu dois faire, bah, vas-y, essaye. Et je me suis dit, OK. Et ça a marché. Je me suis installée et je me suis dit, si c'est ce que je dois faire, quelqu'un va venir immédiatement. Et en fait, quelqu'un est venu s'installer en face de moi à ce moment-là. C'est quoi la question alors qui revient le plus souvent? La question qui revient le plus souvent, c'est... par rapport au choix que j'ai fait dans ma vie, est-ce que je suis sur le chemin de mon épanouissement? Voilà. Alors justement, est-ce que quand il vous pose une question d'un problème de votre vie, si la personne dit « j'aurais juste un truc sur le cœur », donc on sait déjà qu'il est en problème, est-ce que ça oriente pas quand même la conversation très vite? Je comprends tout à fait que vous posiez cette question. Alors, est-ce qu'il a un problème? En fait, je comprends que vous posiez la question, c'est tout à fait normal, et ça c'est sûr, évidemment. Et là, vous n'avez pas de réponse. Ouais, non, mais parce que c'est mal parti pour Jean-Luc. Je trouve incroyable qu'on pose toujours cette question. Moi, je défie n'importe qui de s'installer en face de, d'une personne du public. Alors vous, faites-le. Alors vous pourrez le faire pour essayer. Je l'ai fait une et fois. De vous installer fois, et de rester. J'ai fait une fois dans un bar. Je suis arrivé, il y avait un mec qui avait bu 4 verres. Je fais, toi, tu vas avoir du mal à rentrer. Alors, deux minutes, c'est bien. Mais rester une heure ou une heure et demie ou deux heures face à quelqu'un sans que la personne se lève et vous dise, bon, écoute, ça va. Non mais c'était pas une attaque, hein, c'était une question candide. Non mais candide, je comprends tout à fait, mais votre maman, elle n'y croit pas à votre don de voyance, j'ai lu ça. Non, parce que je suis d'une famille catholique, et effectivement, la religion catholique interdit ne va pas du pratique. Tout dans ce sens-là. Voilà. Maureen. Vous savez qui est à l'origine, en fait, de ces cafés tarot, c'est Jodorowsky. Exact. C'est Alessandro Jodorowsky qui, dans un café à Paris, alors je ne sais plus, dans le 20e arrondissement, organisait des grandes soirées tarot. Et il paraît que c'était extraordinaire parce qu'il choisissait peut-être sur la soirée 2-3 personnes. Et en fait, Jodorowsky mélangeait le tarot avec une grande psychologie quand même. C'est-à-dire que... Et vous aussi, vous le dites. Mais oui, pour être un bon... Non, c'est pas la même chose. Jodorowsky, c'est pas la même chose. C'est pas la même pratique. C'est basé sur la psychologie. Donc sur le comportement... Oui, mais sur la carte qui est choisie par le consultant, sur la manière de se comporter, sur la manière de parler et de réagir. Donc il y a tout un aspect psychologique. Mais vous n'êtes pas vraiment voyante. Un voyant va avoir besoin de psychologie. Mais voyante, vous jouez bien aux cartes. J'adore jouer aux cartes. Mais j'adore ça. Il y a pas que Jodorowsky qui invente des trucs, parce que moi, quand j'étais au lycée, je séchais les cours, j'allais au café, je jouais à la belote. On appelait ça café belote. Hein. Voilà. Voilà. Pareil. Sophie, est-ce que vous êtes déjà... Non, ma mère pratiquait ce genre de choses et j'avais horreur de ça. J'ai très peur qu'on me dise comment demain sera. Déjà, hier, c'était pas terrible, alors demain... Mais non, mais écoutez, là, vous dites que vous êtes voyante itinérante. Sarkozy, peut-être qu'il peut tacler ça comme les grandes cocottes. Hein. Il y avait bien la belle au tarot, justement, qui était une grande cocotte du début du siècle. Jeu de mots. Mais c'est vrai que ça prête à confusion. Voyante itinérante, vous êtes dans les halls d'hôtels, dans les restaurants. Vous êtes jolie comme un cœur et vous dites... Toi, je vais te dire deux mots. C'est le gars, il vous dit, c'est chambre 22. Alors, excusez-moi, Sophie, mais je ne dis jamais, en fait, vous, j'ai quelque chose à vous dire. On peut pas... Ça, c'est du voyeurisme. C'est-à-dire que j'ai été sentir ce que la personne avait comme problème ou autre, ou pas, ou comme elle était. Et là, j'ai fait du voyeurisme. C'est-à-dire que je suis rentrée dans son intimité à son insu. Vous attendez qu'on vienne vous voir. Donc, voilà. Souvent, on vient me voir pour me dire qu'effectivement, on a peur. Pourquoi vous faites ça? J'ai peur. Et la réponse, parce qu'un jour, je me suis interrogée, j'avais un homme de 40 ans, qui avait l'air plutôt bien dans sa peau, qui est venu me dire, ça me fait peur ce que vous faites. Et je lui ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi. Et ce monsieur m'a dit, bah, écoutez, j'avais 12 ans, quelqu'un m'a pris la main dans la rue et m'a dit, votre papa va mourir dans un accident de voiture dans 3 mois. Donc le monsieur me dit, je rentre chez moi, je raconte au tout de la famille cette petite expérience, et tout le monde rit. 3 mois après, mon père est mort dans un accident de voiture.
Et jusqu'à aujourd'hui, je m'en veux de ne pas avoir empêché ce qui s'est passé. Donc je comprends qu'on ait peur de la voyance. S'il avait empêché, ça veut dire que ce qu'avait dit la personne était faux. Donc... Maureen, le but de la voyance, c'est pas du tout de donner des fatalités, des espèces d'expériences qui vont vous tomber sur la tête. Il faut être un voyant professionnel, il faut quand même aller trafiquer la voiture trois mois plus tard. Voilà, voilà. Annie Ewan. Il y a des bons et il y a des mauvais voyants. Il y a peut-être plus d'escrocs dans ce métier que dans d'autres, c'est certain. Mais moi, j'y crois. Et je me suis dépêchée d'aller voir une voyante quand j'avais 30 ans. Si Gérard, Gérard Zapp, hein, si Gérard Miller nous regarde, ouais. Vous avez de la chance. Ça, vous avez vu. Je ne serais pas venu. Ah, vous avez vu le coup, là. Senti qu'il allait être bien. Il y a des gens. Mesdames et messieurs, Gérard Miller. Non mais moi j'aurais bien voulu voir Gérard, parce que mademoiselle est charmante, j'aurais bien voulu voir s'il était toujours aussi objectif, Gérard. Ah, il aurait pu être pour la voyance. Ça aurait au moins servi à ça, parce qu'il soit un petit peu plus tempéré, tant mieux. C'est comme ça, mais je pense qu'il y a des gens qui ont effectivement un don et qui ont des images qui leur viennent comme ça, on ne sait pas d'où, on ne se l'explique pas, et c'est bien qu'on ne s'explique pas d'ailleurs, c'est mystérieux, mais j'y crois, oui. Bon alors dites, montrez-moi, parce que je me doute là, c'est pas facile à la télévision, mais montrez-moi comment on fait quand même, parce que moi j'ai jamais vu un tarologue. Comment on fait, c'est-à-dire? Comment on tire les cartes, comment ça se passe, montrez-moi vos cartes déjà. Je connais même pas, moi, le tarot, je sais même pas. Il y a un jeu de tarot, on joue au tarot. J'ai jamais, non, mais d'un seul coup, j'ai un doute. J'ai jamais joué au tarot. Alors, c'est... Oui, ah, c'est pas le même. Alors, ça, c'est un bout du tarot, parce qu'il y a 78 cartes dans le tarot de Marseille. Donc, ça, c'est le tarot de Marseille. Il y a énormément de tarots qui existent. Tarot de faïence aussi. J'ai peur, parce que si jamais d'un seul coup, vous voyez un truc de négatif sur moi, vous me le diriez. Je vous le dirai, mais dans un petit coin tout à l'heure. D'accord, ok. Bon, alors, attendez, admettons, j'en choisis une. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, mais faites comme si. Attendez, alors, on arrive. Alors, attendez, bougez pas. Marion, c'est moi! Non mais c'est terrible Stéphanie, Pocrin et moi qui sommes deux, on est en train de se dire mais nous ça nous donne envie d'aller la voir. Oui. Non, va des rétros, Stanas. Marilo, je suis venue te voir parce que je t'ai vu à la télé, je t'ai trouvé sympathique. Puis d'un seul coup je me suis dit hein, pourquoi pas, ça pourrait marcher. Alors, est-ce que tu pourrais me faire un petit coup de tarot? Alors avant de toucher les cartes, je prends 5 minutes pour parler à la personne en lui expliquant ce que je fais. Okay. En expliquant que justement le principe de la voyance c'est donc de mettre en avant ce qui est en train de se mettre en place de votre vie par rapport à ce que vous avez souhaité, ce que vous avez mis en place et ce que vous avez laissé passer. Alors, on va voir, Ok, je sais tout. Alors, on y va. Hop, c'est parti. Non, parce qu'on ne veut pas commencer tant que la personne n'est pas au courant. Mais ça ne sert à rien. La voyance, c'est pas... Oh, c'est long. De toute façon. Non, mais c'est juste pour montrer. On va pas le faire vraiment. On voit quelle carte pioche. De toute façon. Bon, alors, elle va nous les montrer, ces cartes, bien. Je veux bien faire une consultation à Laurent Ruquier. Je vous promets que je le fais le jour où Gérard Miller vous fait une psychanalyse en direct ici devant tout le monde. Je veux bien. Il n'arrête pas, Miller. On fait ça tout le temps. Non mais ouais, ce que vous voulez dire, ce que vous voulez dire par là, c'est que c'est comme la psychanalyse, c'est des choses qu'on peut pas faire à la télévision. Bah, c'est-à-dire que c'est la voyance pour que ça se passe bien et pour que la personne entende ce qu'on a à lui dire, il faut un rapport d'intimité. Alors si vous êtes là, alors que avec tout le monde autour, avec la personne qui est sur un plateau, c'est pas possible. Je comprends, mais attendez. Si je prends une carte, j'ai le droit de faire une carte ou pas? J'irai pas la voir. Oui, allez-y. Alors si je prends une carte au hasard, c'est pas une question de. Je prends une carte au hasard, qu'est-ce qui va se passer? Faut pas. Ah si, non mais je sais pas, je connais pas le mode d'emploi, moi je n'irai pas vous voir parce que j'aime pas comme vous présentez les choses. Quand vous dites, je vais vous dire ce que vous avez laissé passer par exemple, moi, c'est bien, je m'en tape de ce que j'ai laissé passer. J'ai pas eu le temps de finir en fait, il m'a coupé. Ça c'est le cocu. J'ai pas eu le temps de finir. J'ai tiré le pape, c'est bien le pape. C'est la représentation de l'homme qui atteint une certaine maturité et qui est capable d'être tempéré, qui est capable d'être beaucoup plus doux et qui a envie aussi de transmettre des choses aux autres. Donc c'est intéressant. Bon, alors j'en tire une deuxième après le pape. Elle est en train de te dire qu'elle ne frappe pas c'est pas tout ce que vous dites, c'est valable pour tout le monde. C'est bien ou non, ça c'est pas bien. Ah si, c'est l'amoureux. Alors je pense que... C'est bien l'amoureux. Alors vous voyez dans votre date de naissance, je me suis renseignée, le 24, c'est le 6, l'amoureux. Vous êtes né le 2, c'est la papesse, et la papesse, le pape qui est là. Donc c'est... Allez-y, tirez donc. Allez, juste pour c'est le drôle, fun. Quand même. Allez, pour allez, le fun. Pour le fun. Le butler. Alors ? Mais il n'y a pas de alors. Voilà, c'est super, vous avez tiré le battleur. Allez-y, il n'y en a pas de deux. Vous pouvez continuer. T'as de la chance d'avoir tiré le battleur, toi. Elle est bonne, hein ? Elle est bonne, hein ? Elle est sympa. Bon, c'est pas bien ou non ? Vous avez vu un truc négatif, puis vous voulez pas me le dire. Ah, c'est sûr, j'ai une tête où c'est super dur ce que j'ai ressenti. C'est vrai ? Non. Ah. Mais je ne suis pas venue pour consulter, c'est pas... Mais moi, oui ! Allez, on va vous remercier. Marie-Laure Stott. On la retrouve dans deux restaurants à Paris.
mode maintenant. Ah, ça vous intéresse, Annie, ça? Eh oui, les défilés de mode de prêt-à-porter masculin pour la saison automne-hiver 2003-2004 sont terminés depuis mardi dernier. Et le constat qu'on peut faire, c'est que c'est le grand retour de l'homme viril. Fini les grandes tiges androgynes habillées comme chez Michou. L'hiver prochain, les hommes seront chics et classiques. Ils porteront des costumes sobres, des chemises blanches et des cravates sombres. Il est donc fort possible que l'année prochaine, vous ne reconnaissiez plus Stevie. Pour tester ensemble la mode virile, nous allons accueillir tout de suite la journaliste qui anime sur cette chaîne, sur France 2, le matin, la rubrique mode dans Télé Matin. Voici Isabelle Chalençon. Enchantée. Merci de m'inviter. On travaille sur la même chaîne, on ne se connaît pas, vous le matin, nous très le soir. Tôt, oui, effectivement, on n'a pas les mêmes horaires. C'est tous les jeudis à 8h20. Exactement. Voilà, et vous avez la rubrique mode de Télématin, toujours très très regardée par les téléspectateurs, puisque c'est toujours une très forte audience à la télévision le matin que le journal présenté par William Lémergie. Exactement. Voilà. On va faire venir quelques mannequins avec... avec différents modèles. Vous allez faire un petit commentaire si vous voulez. On va d'abord appeler Gabriel, habillé en Jean-Charles de Castelbajac. Ensuite, Daniel en Xavier Delcourt. Ensuite... Tu regardes, Jean-Luc, tu regardes. Alexandre en Xavier Delcourt aussi. Et je n'ai pas le nom, j'ai pas le nom du dernier mannequin, mais il est en Jean-Paul Gaultier. Ben oui, c'est Stevie. Alors, j'aimerais, Isabelle Chalençon, que vous nous commentiez un peu ces différents modèles. Alors là, c'est Xavier Delcourt. Alors Xavier Delcourt, c'est un jeune créateur belge. Oui. Et alors lui, c'est bien, alors. Et là, sa collection, elle était axée sur le côté groupe rock. Mais 70. Il arrive vers moi. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme s'il n'était pas là ou... Et alors lui... Les deux garçons, hein, Daniel et Alexandre, sont tous les deux en Xavier Delcourt. C'est voilà. Ça, alors... Et ça, c'est... Et en fait, c'est très bien, c'est un piège à meuf. Parce que Stevie, coup... vous en pensez quoi de cette mode-là? Moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la mode en général, mais c'est vrai que je trouve ça un tu peu... Tu mettrais ça? Dans la rue, non. Oh, si, mais pour sortir, oui. Si, ah, tu mets ça pour sortir? Pour sortir, oui, je mettrais ça, ça bien sûr. Pour rentrer, mais hein. C'est vrai que dans la rue, c'est un peu... Ils sont où les hommes aussi bien gaulés que ça? Écoute, passe dans ma loge tout à l'heure. Alors on va expliquer les deux autres tenues. D'abord Gabriel en Jean-Charles de Castelbajac, alors, qui lui nous revient à la mode un peu ouvrière. On va alors dire. Effectivement, alors Jean-Charles de Castelbajac pour sa collection a voulu vraiment montrer des vêtements authentiques. Et d'ailleurs, ça va intéresser Stevie. Il est allé dans une société qui est au Mans. Et lui, enfin, c'est pas parce que ça vient du Mans que c'est forcément beau. Hein. Pourquoi parce que enfin, franchement, Castelbajac, enfin moi le look ouvrier, je sais pas. Pour moi la mode, ça doit être un univers qui fasse rêver. Qu'est-ce que vous aimez, Stéphane, là-dedans? Je sais pas, cette image, elle me parle. On voit des gens issus du monde ouvrier, là, sur le côté. Il y a une reprise un peu d'un mètre ou quoi que ce soit. Non, moi, je trouve ça plutôt sympa. Faut qu'on passe à Jean-Paul Gaultier. Alors, évidemment, vous avez choisi votre couturier préféré. C'est que, Stevie, si tu prends l'avion, tu passeras pas le portique avec ça. La redingote, là. On appelle ça une redingote? Enfin, c'est la veste. La veste. En fin de compte, ça, c'est une veste trompe-l'œil. Ouais. Parce que gilet, le gilet est carrément collé à la veste. Alors, Gaultier la veste, aime bien très bien, le look, très bien, mais la tête, faut changer. Et ça c'est une création de Odile Gilbert. Stevie, j'ai pas bien compris, la créatrice qui t'a fait ça, c'est qui? C'est Odile Gilbert? Odile Gilbert. D'accord, et pour la coiffure de Derek, c'est Daniel Gilbert. Oh, très drôle. Comment vous nous jugez, vous, d'ailleurs, sur le plateau? Je parle de Jean-François Derek, Stéphane Poquerin, moi, ou Jean-Luc, que vous avez vu tout à l'heure. Un petit peu classique. Un peu classique. Un petit peu classique. Stéphane. Bah, Stéphane, il se met finalement dans le moule de l'hiver prochain. Le cuir, ça revient. Donc finalement, vous êtes à la mode pour partir, vous suivez. Ah ça, on a remarqué. Ça fait 3 ans qu'il est habillé pareil. Hein. J'aimerais prendre un pari. Ça, alors. Laurent, j'aimerais prendre un pari avec Jean-François Derek. Ouais. Il est 1000 fois mieux... Franchement, t'es mieux en costard. Ah, ça, c'est vrai. Il est très beau sur scène en costume. Avec des lunettes, c'est un autre homme. Et j'aimerais qu'à la prochaine émission, tu viennes habiller avec... Ce serait bien que les gens vous voient en costume, d'accord. Quoi. Beau, quoi. Sans ton béret. N'exagérons rien. Maureen. Quoi?
N'arrêtez pas, c'est terrible, hein. Je regarde, j'ai des beaux mâles pour une fois sur ce plateau, je regarde. Est-ce qu'ils sont prêts, nos autres mannequins? Oui, parce que nous avons un défilé à vous proposer. Un défilé que vous n'avez pas encore vu. Je vais vous demander de vous installer ici à côté. Nous allons accueillir la haute couture pour travailleurs de John Bolino. Bonjour, je m'appelle John Bolino, je suis styliste. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été horrifié par les people qui travaillent dans les rues, dans les magasins, dans les usines. Je trouve qu'ils sont très mal habillés, très peuple. C'est pour ça que j'ai voulu mettre un peu de bon goût dans leur quotidien à chier. C'est comme ça que vous dites. Ok, alors je vais vous montrer ma première collection haute couture pour travailleurs. Nous allons commencer par une figure emblématique de la rue, le livreur de pizza. Alors pour moi, le livreur de pizza est un peu le symbole de la liberté. Il est seul sur sa motobilette, naguant la société puritaine, un peu comme Marlon Brando. Hein. Mais le pire, c'est que c'est quasi crédible, quoi. Lui, comme ça, oui, c'est crédible. J'ai voulu des vêtements très ajourés pour montrer son corps. Là, on a envie de manger le pizza et le livreur. Vous voyez? Mais on n'oublie pas le détail glamour avec la sacoche à pizza Chamel. Voilà, c'est un peu le luxe à moins de 30 minutes. Mon ami, vous trouvez ça comment? Je pense que je vais un peu me les cahier là sur ma mobilette. Maintenant, vous allez faire le fureur dans les livraisons dans les banlieues. Deuxième modèle, l'agent de police, le Bobby. Alors, le problème des agents de police, c'est qu'ils ont une image de brute épaisse. Donc, j'ai voulu donner une image de séduction en ajoutant un peu de féminité qui lui donne un aspect un peu plus, comment vous dites, cochonne, c'est ça, hein? Vous dites cochonne. Vous remarquerez la petite bombe lacrymogène avec à l'intérieur du numéro 5. Ça sent meilleur et ça ne pique pas les yeux. C'est du Sarkozy Chanel. Exactement. Alors, monsieur, vous trouvez ça comment? J'ai un peu de mal au début pour courir avec les talons. Mais sinon, par contre, je trouve que la coupe du tailleur est un peu dépassée. Ouais. Moi, j'aurais vu un truc beaucoup plus court avec une fente sur le côté. Ah, monsieur, t'as connaisseur, j'aime bien. Et donc, vous êtes content comme ça? Oui, et en plus, regardez, je mets même mon jean façon Gérard Klein. Votre slip. Pardon. C'est pas passé, là. Donc, le dernier modèle, la vendeuse du fromage à la coupe. Alors, J'ai baptisé cette tenue femme fatale à la coupe, parce que pour moi, la femme ne doit pas perdre sa féminité, même dans le temple du capitalisme, le supermarket. Et vous remarquerez la qualité du plastique qui était fabriqué dans une usine pétrochimique artisanale. Et n'oubliez pas les petits accessoires indispensables, magnifiques, le rock bag, c'est-à-dire le sac à roquefort. Le sac à roquefort, Annie, vous pouvez me montrer? Ah, oui. Voilà. Ah, quelle horreur, Annie. Ah, comment vous trouvez ce costume? Moi, ça fait une semaine que je le porte, ça va bien, mais c'est plutôt dur de ravoir les taches de bleu sur le vêtement. Quoi, non, mais c'est ça? Pas fait pour. Voilà, c'était ma collection. La prochaine fois, je vais attaquer le milieu des écoliers. Je vais faire des robes en protège-calier transparent et des slips en buvard. Voilà, à bientôt. Jeanne Bolino est son défilé. Bravo, merci Jeanne. Isabelle Chalençon. On vous retrouvera jeudi prochain à 8h20 dans Télématin sur France 2. Merci d'être venu nous aider à commenter la nouvelle mode masculine pour l'automne-hiver prochain. Isabelle Chalençon, merci. On va remercier aussi Gabriel, Daniel, Alexandre et Stevie. Merci. Allez, on va changer.
Notre dernière invitée pour ce soir et pour cette semaine avec son spectacle à la Roumanoff. Anne Roumanoff fait un véritable carton. Elle l'avait écrit au départ pour 40 petites représentations et ça fait maintenant plusieurs années qu'elle fait rire la France entière en faisant un état des lieux de la société et des personnages qui la composent. Si nous la recevons ce soir, c'est parce qu'elle est en tournée pour la dernière fois avec ce spectacle. Mais ne vous inquiétez pas, Anne Roumanoff sera à l'affiche d'un nouveau spectacle l'été prochain, absolument Roumanoff. Avec un nom comme ça, Anne Roumanoff, on peut dire que c'est la tsarine du rire que nous accueillons et que nous allons tester maintenant. Anne Roumanoff! Pourquoi tu te marres? Non, parce que t'as carrément... je me méfie. C'était tellement du tir en vie que... Elle se méfie, moi, pourquoi? Je sais pas, je te connais un peu. Je vous connais, pardon. Eh bien, pas du tout. Ah. Moi, j'ai eu l'envie de vous inviter cette semaine. Ça s'est décidé il y a pas longtemps, on peut le dire, on va pas mentir. Je vous ai vu, j'étais dans une chambre d'hôtel, il y a... pas si longtemps que ça, 2-3 soirs. Tout seul? Pas tout seul. Pas tout seul, justement. Et nous sommes tombés sur Paris Première, autant le dire, sur une émission qui retraçait l'histoire de votre spectacle et vous racontiez entre des extraits de sketchs, comment les sketchs étaient nés, tout ça. Et j'étais devant mon téléviseur et j'étais mort de rire. Et je me suis dit, mon Dieu, j'avais oublié qu'elle était drôle comme ça. Mais vraiment, je le dis. Voilà, c'est vrai. Les copains diront ce qu'ils voudront après, mais et je... Et la personne dans la chambre? Même chose. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est même chose. La personne, elle est gentille avec moi. Ça, c'est une bonne camarade. Hein? Non, non, c'est... Nous étions... on était 10 dans la chambre et on a tous aimé. Si vous vous ennuyez dans votre hôtel, regardez ma cassette. Non, mais c'est vrai, et je me suis dit, finalement, ça fait quand même plusieurs années que vous faites un carton avec ce spectacle et ça ne se sait peut-être pas suffisamment. Et ça va pas sinon dans votre vie, Laurent, parce que quand même vous êtes dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un, on ne sait pas qui, et qu'est-ce que vous faites au lieu de vous amuser? Vous regardez une émission à la télé. Non, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas mentir, on n'a pas regardé jusqu'au bout quand même. C'est vrai, forcément. C'est quand même bizarre que vous alliez à l'hôtel, vous n'êtes plus de chez vous. Non, non, mais ouais. S'il vous plaît, vraiment, est-ce que, bon, s'il vous plaît, c'est vrai, non, je vais vous demander, qu'est-ce que ça... Vous n'avez pas la télé chez toi? Non, Jean-Luc, non, Jean-Luc, c'est non, mais qu'est-ce que... Non. Et qu'est-ce que ça vous fait, Anne Roumanoff, de servir de préliminaire à Laurent Ruquier, maintenant? Parce que c'est ça qui est terrible. C'était mon anniversaire de rencontre. Ah. Et je me suis tapé, Anne Roumanoff, formidable. Mais c'est vrai, le pire. Toujours est-il. Anniversaire, une semaine, un mois ou un an? Un an, un an. Ah, c'est bien. Je progresse. Bah oui. Donc, non, c'est quand même chouette de se dire que d'un seul coup, tiens, cette fille que je connais, avec qui j'ai travaillé quand même pendant 5 ans à peu près, on a travaillé ensemble, Anne, et ça fait déjà maintenant 7 ans de ça, hein, ça fait 7 ans qu'on se voit plus beaucoup, que chacun a suivi une route différente, et d'un seul coup, de redécouvrir quelqu'un sur un écran qu'on a connu et qu'on a avec qui on travaillait. C'était peut-être un fruit de l'extase. Je veux dire que... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais non, je veux dire que comme vous étiez très bien dans le lit... Et... Vous avez cru ça, non? Vous aviez peut-être... Vous voulez dire que dans d'autres conditions, j'aurais trouvé ça peut-être nul? Peut-être pas, on sait c'est-à-dire pas. C'est-à-dire ça ou des éléphants là. Bleus, eh c'est pareil, non, quoi. Eh bien non, parce que moi aussi, je vous connaissais pas et je l'ai vu cette même émission. T'étais dans l'hôtel aussi. T'étais au bar, toi. Elle était là aussi. Eh bien, c'est avec moi. C'est avec moi, là. Ah, il y a un an. C'est vrai, ce que je raconte. Ben, moi, j'étais dans la chambre d'à côté, j'attendais quelqu'un qui n'est pas venu. Eh ben, j'ai trouvé beaucoup moins bien l'émission. Alors, allez, il est temps de parler d'Anne. Moi, je vous ai vu à Bobino, j'avais adoré. Et là, vous reprenez votre spectacle, vous dites que vous faites que deux nouveaux sketchs, l'euro et l'orgasme. Est-ce que c'est parce que tous les deux, c'est nouveau dans votre vie? Non, ouais.
Non, en fait, là, je prépare vraiment pour juillet un tout nouveau spectacle avec vraiment complètement. Qui s'appellera nouveau. Absolument Roumanoff. Voilà, et je suis en train de roder les sketchs en tournée et je cherche à faire rire sur l'insécurité et Le Pen, et c'est difficile. Dites avant que je donne la parole à Sophie Garel et à mes trois autres petits camarades, on regarde quand même un extrait du spectacle à la Roumanoff. On fait celle qui a pas entendu, mais à côté, ça rate pas. Je crois que t'appelles. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. Si jamais tu te réveilles cette nuit, appelle papa. Ça lui fera plaisir. Papa! Papa! Ah, je crois que monsieur est demandé. Attends, on va pas y aller à chaque fois non plus. Le driver en installation, pour ceux qui ne savent pas, c'est la disquette que tu mets dans l'ordinateur pour lui dire qu'il est relié à une imprimante. Sinon, il est pas au courant. 9000 balles, il est pas au courant. Eh, franchement, tu branches une machine à laver le linge dans le mur. T'as pas besoin de lui dire au mur qu'il est relié à une machine à laver. Ce sketch sur l'ordinateur et sur Internet est vraiment très, très drôle. C'est vrai, ce sketch sur Internet, c'est, on a tous, on voit ce sketch, on se dit, mais oui, bon sang, quelle a raison, on a connu les mêmes affres devant l'ordi et avec Internet, en sachant pas comment on allait se débrouiller. C'est du vécu aussi, j'imagine. Ah oui, ça, c'est vraiment du vécu, et je pensais pas que ça ferait rire les gens, ça, parce que j'ai vraiment raconté des expériences personnelles. Donc vous allez sur scène avec des sketchs, oui, donc vous ça. Pensez qu'ils feraient pas rire les gens. Mais non, mais c'est... quand j'écris un sketch et que je joue la première fois, on sait pas. Oui, j'ai beau avoir 15 ans de métier, je sais pas exactement où les gens vont rire. Et là, avec les nouveaux sketchs, c'est vrai que c'est la surprise. Bon, alors des fois, on est agréablement surpris, puis des fois, il y a des trucs que je trouve super drôles et personne ne rit. Donc, au fur et à mesure. Oui, ouais, c'est tout un travail. Sophie. Vous écrivez vos sketchs toute seule, tout vient de vous. Mais je sais que votre maman a participé aussi à sketch. Mais là, c'est fini. Ça, c'est fini. Allez, ça, c'est clair, maman. Là, en l'occurrence. En l'occurrence, c'est une metteur en scène québécoise qui a fait la mise en scène. Ça s'appelle Louise Latraverse, qui a fait la mise en scène de ce spectacle. Jean-Luc Lemoine. Mais non, mais justement, tout à l'heure, tu parlais de la mauvaise image. Il faut dire aussi aux gens que vous avez énormément évolué. Vous avez changé aussi de style dans vos spectacles. Au début, il y avait beaucoup de personnages, avec notamment le personnage de Bernadette qui revenait beaucoup. Et c'est vrai que vous êtes plus au stand-up et vous êtes proche d'une efficacité à la québécoise. Et c'est vrai que ce spectacle... On a deux comiques qui me parlent comique. Alors, c'est dans le stand-up, avec un rire par ligne. Quoi. Exactement, c'est ça. Et c'est d'une efficacité. Mais c'est, je sais pas qui peut y résister. Ah, il y a autre chose. Mais avant, je vais quand même donner les dates. Les dernières dates de la tournée, hein, c'est vraiment les dernières représentations de ce spectacle avant le nouveau. Mais il y aura, j'imagine, donc inclus dedans peut-être des nouveautés, puisque vous rodez, c'est ça? Oui, déjà j'ai mis des nouveautés. En fait. Auteur, donc le 1er février, Millau le 15 février, Lyon le 27 mars, le 5 avril à Rohrbach, les Beach, à Belfort le 16 mai, à Thionville le 20 mai, le 26 juin à Bordeaux. Et en vous voyant, alors en plus dans ce spectacle, je me suis dit, ça y est, elle y est arrivée. Vous aviez une ligne, mais vous avez maigri de façon incroyable. Ouais. Comment vous avez fait? Et comme tout le monde, c'est une poisson de vapeur grillée. Ouais. Un peu gym? Ouais, un petit peu, on est obligé dans ce métier. Je dis ça parce que pour vous, on a fait venir un prof de gym. Ah bon? Ah ouais. Je vous demande de l'accueillir. Voici notre prof de gym qui s'appelle David. Et David est prêt à vous donner des cours particuliers. Je l'ai choisi moi-même. Ah oui. C'était lui dans la chambre d'hôtel. Bonjour Anne. Bonjour. Moi, je vous invite à venir me rejoindre. Ah bon? Pour mais faire David, quelques je petits que exercices demandez. De gym oui, avec ce splendide ballon. Oui. Alors. Et non, il est beau, hein. Alors, on va commencer tout doucement. Oui. Je vais vous demander de venir vous allonger sur le ballon. Ballon contre le ventre. Allez-y. Ah bon? Oui, allez-y, y a pas de problème. La pauvre vient juste d'accoucher, alors... vous lui mettez ça sur le ventre. Mais justement, c'est le moment. Ah bon? Posez vos mains de part et d'autre du ballon. Allez-y. Ah ouais, c'est ça, tu penses c'est bon pour mon image, là? Oui, ouais! Les gens ont pas une bonne image, et là, là tu penses que ça va m'aider? Ah oui, je crois. Bon. Les gens vont vous aimer encore plus. Voilà. Et maintenant, à mon signal. Et maintenant, je vais vous monter dessus. Levez la jambe gauche et le bras droit. Allez-y. Voilà. Très. Non, on inverse.
Jambe gauche, bras droit, allez-y. Elle fait deux fois la même chose, Anne. Jambe gauche, bras droit. Voilà. Merci. Attends, l'inverse, très bien. Ah, c'est bien, on ça. Très bien. Un autre exercice. Bah, restez comme vous êtes, très bien. Maintenant, on va se muscler un peu les lombaires. Donc, vous avez moi, j'aimerais bien muscler les bras. Avec le ballon, ça va pas être possible. Ah, on peut pas. Les bras, je veux dire, c'est faux. Est-ce qu'on pourrait faire un truc comme ça ou... Ah, ça muscle pas vraiment. Donc, bras, allez-y. Hein. Allongez-vous, comme je disais tout à l'heure, juste comme ça. Les mains derrière la tête. Oh là. Allez-y. Couchez-vous sur le ballon, voilà. Et maintenant, vous allez vous relever tout doucement. Vas-y, relevez-vous, voilà. Et là, vous travaillez les lombaires. Ça, couchez-vous. Voilà, allez-y, n'ayez pas peur. Et voilà, vous remontez. Tombez. Chaque mouvement, c'est 10 entrées en plus, pense. David, vous êtes prof de gym à Paris ? Oui, à Paris. À Paris, vous allez à domicile ? J'enseigne à domicile. C'est un portable. Merci David. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Vas-y au ballon maintenant. Peut-être vous nous regardez de temps en temps, Andrew Manin. Oui. Alors vous connaissez la dernière séquence de l'émission ? Qui a vu qui ? C'est parti. Attention parce que Anne va être très forte à ce petit jeu-là, parce que je vois s'il y en a une qui lit toute la presse People, tous les potins, tous les trucs, hein, c'est bien vous. Ouais. Alors, allons-y. Alors attention, attention, bagarre. Premier qui a vu qui ? Nut, Antoine Decaune. Antoine Decaune, bravo Maureen Dor, réalisateur de Monsieur N, le Napoléon, avec Philippe Torreton, je crois, hein, qui joue Napoléon dans ce futur film d'Antoine Decaune. Fallait le reconnaître quand même. Hein. Bravo. Hein. Autre qui a vu qui ? Sergueï Boubka Junior. Wow ! J'ai vu sur la feuille. Ah merde ! Vous avez vu les autres aussi ? Oh non ! Non, j'ai rien. Autre qui a vu qui ? Ah, François Ozon. Roque Voisine. Effectivement, c'est François Ozon. Bravo Jean-Luc Lemoyne, le réalisateur de 8 femmes. Nominé 5 fois, je crois. Plus que ça, je crois. 12 nominations au César. Vous aviez eu un Molière, vous, non ? Non, bah non. Non. Oh, merde. c'est bien de remuer le couteau dans la plaie comme ça. Vous aimeriez avoir un Molière ? Oui. Et ben voilà, ben j'espère qu'on votera pour vous. Moi, je voterai pour vous. Moi, c'est gentil. Voilà, enfin, ça dépend qui sont les autres nominés, mais je... Anne Roumanoff, en tournée à travers la France, ne la ratez pas. Ce spectacle a été vraiment à se tordre de rire. Et c'est l'occasion pour vous, si vous ne la connaissez pas bien, de la découvrir. Merci, merci. Anne. Bon week-end. Demain, Christine Bravo. Dimanche, Michel Drucker. Bye bye.